La Chambre de commerce d'Amsterdam, porte de ses 350 membres, reflète la diversité, la complémentarité et le dynamisme de ses relations économiques bilatérales. Celles-ci, vous le savez, connaissent une évolution favorable, notamment grâce à la reprise économique aux Pays-Bas. Ainsi, la France est redevenue depuis 2006 le sixième fournisseur de ce pays, avec plus de 17 000 sociétés exportatrices, dont de nombreuses PME. Et notre déficit commercial bilatéral tend à se réduire depuis 2 ans. Les Pays-Bas sont, pour leur part, le huitième fournisseur de la France. Et les relations en matière d'investissement, quant à elles, sont également très dynamiques, comme en témoignent les nouveaux projets de rapprochement entre entreprises de nos deux pays. Aujourd'hui, avec près de 400 filiales françaises présentes aux Pays-Bas, notre pays se situe au sixième rang des investisseurs étrangers, mais au quatrième si l'on considère le nombre d'entreprises ou le nombre d'emplois. Les investisseurs néerlandais en France sont également très présents, les Pays-Bas étant même, selon la Banque de France, le deuxième investisseur en stock dans notre pays. Dans ce contexte qui est très porteur, la Chambre de commerce apporte une contribution importante à l'essor des relations d'affaires entre partenaires français et néerlandais à travers les nombreuses initiatives qu'elle prend et les activités qu'elle conduit. Les pots que la CFCI organise régulièrement pour ses membres et auxquels je suis heureux d'assister lorsque mon emploi du temps me le permet, sont des occasions d'échange très prisées par la communauté d'affaires franco-néerlandaise. De même, les séminaires d'intégration ou les rencontres sur des sujets plus spécifiques, par exemple la fiscalité ou le droit social, contribuent à la diffusion des connaissances sur les spécificités du monde des affaires aux Pays-Bas et, par conséquent, à l'affaiblissement progressif des stéréotypes réciproques qui subsistent entre les deux pays. Par ailleurs, la Chambre fournit des services appréciés aux entreprises qui souhaitent démarrer une activité commerciale aux Pays-Bas. Ces sociétés peuvent s'appuyer pour ce faire sur votre club d'affaires qui réunit de nombreux spécialistes, avocats, fiscalistes, juristes. Enfin, grâce à ces relations privilégiées avec le réseau des chambres de commerce et d'industrie en France, la CFCI apporte son concours au renforcement des liens entre les Pays-Bas et la France et aide à mieux faire connaître dans les régions françaises les opportunités offertes par le marché néerlandais. Cette activité et celle que la mission économique de l'ambassade conduit de son côté au profit des exportateurs et des entreprises qui s'intéressent au marché néerlandais ne sont pas concurrentes, mais complémentaires. La Chambre et la mission coopérant étroitement. Ces relations viennent d'ailleurs d'être redéfinies dans le cadre d'une nouvelle convention entre la mission économique et la Chambre, qui sera signée ce soir en ma présence, et je m'en réjouis. À cet égard, je tiens à saluer le travail remarquable accompli par Mme Patricia Snyders, directrice de la Chambre de commerce, depuis septembre 2006, qui a insufflé à votre organisation un nouvel élan, favorisé par l'appui du Conseil d'administration. Et tout particulièrement par l'appui de son président, M. Serge Adamowicz. Ce soutien, conjugué à celui des pouvoirs publics, s'est révélé déterminant pour assurer le redressement de la Chambre lorsque celle-ci a traversé une période un peu difficile, et il est encore plus aujourd'hui alors qu'elle s'engage dans une nouvelle phase de son développement. Je voudrais juste dire un mot très brièvement des relations politiques entre les deux pays, pour vous dire que, vous le savez sans doute, elles sont très bonnes. Je crois que le climat de ces relations bilatérales a rarement été aussi bon.
La récente visite du Premier ministre français en a témoigné le 15 octobre dernier. Ce fut une visite brève, mais je crois très productive, qui a permis non seulement des entretiens très intéressants entre les deux premiers ministres, notamment sur le thème tout à fait d'actualité en France, des réformes, mais aussi des contacts entre le Premier ministre français et des dirigeants d'entreprises néerlandaises tels que Philips Heineken. Le Premier ministre, M. Fillon, a également visité le port de Rotterdam et le pôle de compétitivité maritime. Et je pense que cette visite a contribué à conforter cet excellent climat que j'ai évoqué à l'instant. Pour conclure, je forme le vœu que la Chambre de commerce poursuive dans cette voie et renforce son rôle de fédérateur de la communauté d'affaires franco-néerlandaise. Permettez-moi maintenant de m'adresser à l'ancien président de la Chambre, Antoine Hens, puisque cette rencontre amicale me donne l'occasion ce soir de lui exprimer la gratitude de la France pour son action résolue en faveur de la pérennité de la Chambre et de l'affermissement des liens économiques entre nos deux pays. Maître, votre profil et votre parcours vous prédisposaient naturellement à travailler au rapprochement des relations franco-néerlandaises dans le domaine économique et commercial. Né en France, d'un père néerlandais, si j'ai bien compris, et d'une mère française, vous avez, me dit-on, d'abord été tenté par une autre voie que le barreau, ayant entamé votre vie professionnelle à l'issue du lycée dans un restaurant de spécialité française à La Haye. Mais vous avez finalement opté pour la profession d'avocat après des études de droit aux Pays-Bas, puis en France à l'université Paris 1. Membre du barreau d'Amsterdam depuis 1984, après une première expérience à l'antenne parisienne du cabinet néerlandais Steve, vous avez rejoint le cabinet d'avocats Heuker Rudd Doeleman à Amsterdam, où vous exercez toujours aujourd'hui. Comme vos pères membres de la CFCI, exerçant dans les activités de conseil, vous apportez votre connaissance des deux univers juridiques et culturels aux entreprises qui vous sollicitent. Bénéficiant d'une double culture, vous vous êtes rapidement investi dans les réseaux franco-néerlandais en participant, à titre bénévole, aux travaux de l'Alliance française, dont je salue ce soir la présidente, puis à la CFCI. En tant que président de la Chambre, de 1998 à 2004, vous avez contribué à son redressement. Pendant ces 6 années, vous lui avez apporté non seulement votre expertise en matière juridique, mais aussi votre réseau d'amitié et de contact au sein du monde néerlandais des affaires, ce qui s'est révélé particulièrement utile pour la Chambre. En reconnaissance de votre précieuse contribution au développement des relations économiques bilatérales et au rapprochement des sociétés civiles des deux pays, j'ai l'honneur ce soir, au nom du président de la République, de vous remettre les insignes de chevalier dans l'Ordre national du Mérite.